Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs en se lançant dans ce business. Beaucoup de gens croient que leur chiffre d'affaires sera proportionnel au nombre de conseillers qu'ils vont faire travailler. Et c'est une très très grave erreur à ne surtout pas faire. Quatre commerciaux bien formés, compétents et responsables vous généreront plus de chiffre d'affaires que 40 personnes recrutées à la va-vite. Ça peut paraître exagéré, mais je vous parle vraiment en connaissance de cause. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer seul pour arriver à cerner l'ensemble des difficultés que vont être amenés à rencontrer vos conseillers. Pendant cette période, vous allez apprendre à maîtriser de A à Z votre outil de travail, ce qui vous permettra par la suite de ne pas être dépendant vis-à-vis de votre technicien ou votre fournisseur de minutes. Ça sera aussi l'occasion pour vous de construire un argumentaire de vente performant sur la base de votre propre expérience. Vous allez aussi pouvoir construire un process de travail efficace que vous pourrez par la suite transmettre à vos conseillers. Vous allez ensuite pouvoir progressivement commencer à embaucher jusqu'à constituer une toute petite équipe de commerciaux talentueux. Pour y parvenir, n'hésitez pas à leur verser des salaires conséquents. N'oubliez pas que 4 commerciaux bien payés vous coûteront beaucoup moins cher que 40 agents sous-payés. Sans compter que vous allez réduire considérablement votre investissement initial pour l'achat du matériel. Vous allez aussi réduire considérablement vos coûts fixes en termes de minutes, de CRM, d'électricité et d'internet. Vous savez, je loue des call centers tout équipés et je vends des licences de CRM. Quand je partage cette information-là avec vous, je vais même à l'encontre de mes propres intérêts à court terme. J'ai besoin que mes partenaires réussissent pour qu'ils puissent m'alimenter en fiches qualifiées. C'est la première des erreurs à éviter quand vous démarrez un call. Il y en a d'autres, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.